salut à toutes et à tous et bienvenue dans C'est parier près de chez vous, la séquence ludique, sympathique et légèrement putaclic de Winamax. Aujourd'hui, on est à Boulogne pour parler du match que vous attendez tous, Olympique de Marseille, AS Monaco, dimanche soir à 21h. Alors pourquoi Boulogne alors que c'est OM Monaco? Mais c'est simple, qui mieux que les spécialistes du football de Canal+, peuvent vous donner les bons tuyaux pour bien parier sur ce match? Bah, les spécialistes du football de Canal+, et ils sont à Boulogne, Gronigo, allez venez! Depuis Passepartout dans Fort Boyard, et à l'inverse de Joséphine Ange-Gardien, que plus personne ne peut blairer, c'est la personne de petite taille que les Français adorent et c'est normal, c'est Karim Benani! Ah, bonjour, j'aime pas trop cette présentation quand même. Moi non plus, j'avais pas quoi dire. Comment tu vas? Ben bien, et toi? Alors, jour de foot, c'est toi? Entre autres, oui. Sur Canal? Ouais. C'est juste avant le journal du Hard. Eh ouais. T'as regardé le mois dernier? Je regarde tous les mois. T'as vu la... Là, je reste à Canal en fait pendant deux heures dans la régie tout seul. T'as vu la partout avec les pompiers transgenres là? Quand ils arrivent sur la vieille? On a pas vu le même. Karim Benani, Marseille-Monaco. Prono dimanche soir à 21h. C'est dur de pronostiquer ce match. Hein. C'est pour ça que je demande à des professionnels. Marseille après son élimination en Coupe de France, Monaco qui a gagné en Coupe mais qui est en manque de confiance aussi. Je pense malgré tout que Marseille au Vélodrome aura envie de se racheter de cette défaite contre Andrézieux en Coupe de France. C'est vital de gagner contre Monaco dimanche, sinon il y a une crise monumentale à l'OM. Le stade explose. Derrière. Voilà. Je pense que le stade explose derrière. Tu veux un prono avec un score? Ce serait pas mal. Je pense que Marseille s'imposera 2-1. Tovin Payet et les deux soi-disant les leaders, voilà. Cadres. Côté monégasque, si Falcao joue, je vois bien Falcao, il a perdu son père récemment donc on sait pas s'il jouera ce match. Et si Falcao ne marque pas, je pense que l'un des deux défenseurs, peut-être Naldo qui vient d'arriver, un défenseur de très grande taille, lui, contrairement à d'autres, 1m80, pas du tout, pas moi en tout cas. Donc sur coup de pied arrêté, voilà, je vois Naldo la recrue marquer si Falcao ne marque pas. 2-1 pour Marseille. Vous m'avez convaincu. C'est vrai? Et en même temps vous m'avez fait bander. Bon, je m'écarte alors. Merci. Ça me fait peur. Merci Karim. À bientôt. On enchaîne. Et on enchaîne. Second intervenant, c'est le chéri de ces dames, moitié Georges Clooney, moitié Gilles Verdez. C'est la véritable vedette du Canal Football Club. C'est Dominique Armand. Gilles Clooney. Ouais, Gilles Clooney. Bonjour. Ça va Dominique? Très bien, et toi? Marseille-Monaco, Dominique Armand, 50 000 euros par mois. Prono. Marseille. D'après toi, combien? Et les buteurs, s'il te plaît? Je dirais un petit 2-0 avec Thauvin et la grosse cote, Balotelli. Ah! Alors ça, c'est une cote Déjà, parce qu'on sait même pas s'il a signé, on sait même pas s'il sera là, s'il aura un short et tout. Je sais que tu aimes l'OM, je sais que tu as de l'argent planqué à Monaco, tu dois être déçu. Bon, pour cette saison, déjà, Monaco faudra sauver sa place en Ligue 1. Marseille, il y a encore moyen de se refaire, parce que sur le plan comptable, tout est encore faisable. Le podium est à 5 points, il y a 2 matchs de retard. Donc encore... Oui, ça va, il y a le Mucem, ils ont refait le Vieux-Port, voilà, et tout ça. C'est beau, Marseille. Il y a beaucoup de raisons d'y croire. Tu sais qu'on est sur Internet, donc du coup, des jeunes nous regardent. Certains jeunes veulent aller en Syrie, d'autres veulent faire CRS et des choix de vie. Quel conseil tu donnerais à un Winamix qui nous regarde et qui voudrait faire chroniqueur télé, sportif, football et tout? Faire une école de journalisme et se spécialiser là-dedans, bien sûr. On aura Eric Carrière qui a tout sauf un physique de télé. Il est quand même commentateur sport. Non mais tu vois qu'il est très sympa. Attends, mais... Tu fais aussi de l'antenne. Ok, merci, on a compris. J'enchaîne. Salut Dominique. Ciao. Exilé fiscal, fichier S, doublure d'Olivier Mine. Impossible de faire le tri devant autant de talents. Il est là, c'est J+1, c'est le présentateur, c'est l'avenir de la télé. Ça va, c'est Nicolas Tourial. Bonjour. Ça va? T'es avec Gouli Oui. Oh, ouais, je suis au courant là. Tu très, sais très pourquoi bien. On est là? Eh bien non, non. Bah, ça filme. C'est les Winamix. C'est toi. C'est toi. Tu sais c'est que toi je... Tu sais que je le pense quand je dis l'avenir de la télé pour moi. Ah, et J+1 aussi? Non mais ça c'est, on va pas en parler, ouais, c'est ton CV, c'est ta vie privée. Concrètement, Marseille-Monaco, dimanche 21h, je veux l'avis d'un spécialiste. Ça tombe bien, tu en es un. Il y a un bac+2, je sais pas ce qu'il y a, enfin bref. D'après toi, ton prono... Et les Gilets jaunes jouent pas? Non, c'était Andrézieux ça. Et ils ont gagné. Comme quoi, mais... 3-0. Carrément. Donc là, tu vois qui en buteur là? Triplé de Mitroglou et... C'est un sujet sérieux, hein, s'il vous plaît. Et avec ça, allez, Naldo. Tiens, Naldo, il vient d'arriver, but de la tête. Bien. Mais il en met 3. Mais en même temps. 3 fois la tête en même temps. Je suis très bon en pronostic, non? Putain, c'est bien, ça va aller. Et qu'est-ce que ça fait de travailler avec un rat d'égout comme Julien Cazard? Bah, au début, c'est l'odeur qui gêne. Voilà. Et puis finalement, on s'y fait. Je te remercie, je vais le voir, il va être content. Bonne journée. Prends un demi, c'est pour moi. Et oui. Et oui, c'est l'idole des Gilets jaunes, c'est le nouveau Pierre Ménès. Il est drôle, il est sympa et surtout, il est gratos. C'est Julien Cazard. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Bah, j'ai jamais été aussi bien. Julien, hétéro mais pas trop. Marseille-Monaco, prono, dimanche 21h, s'il te plaît. C'est quoi? C'est de la Coupe de la Ligue? C'est quoi?
commencez pas, soyez sympa. Non, écoutez, mais moi, les matchs de district, j'ai arrêté. Je pense aux gens qui payent un abonnement, au lieu de leur filer une belle affiche, un Lyon-Saint-Etienne, mais deux équipes de Ligue 2, non. À un moment donné, respectez les gens. Qu'est-ce que je pronostique ? Je regarde pas la Ligue 2 ! Je regarde pas, ça n'a rien à foutre ! Ouais, Monaco, ça intéresse qui ? Putain, mais pourquoi pas Reims ? Oui, Reims, ils ont été en finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, pour qu'on s'intéresse pas à Reims, pour qu'on s'intéresse pas au Nîmes Olympique ! Ils ont été champions de France au Nîmes Olympique ! Mais on a qu'à faire Nîmes-Reims le dimanche ! Allons-y, puisqu'on est sur les vieilles gloires complètement décatiques, dégueulasses. Thierry Henry, ah, c'est génial, il est entraîneur, il entraîne quoi, Thierry Henry, il entraîne. Et au final, c'est Franck Passy. Ah, 0-0, 0-0. 0-0, 0-0. 0-0, but de Mitroglou. Voilà. Je vous emmène à la déchetterie. Merci. Vous pouvez me rapprocher de la poubelle, parce que j'aime bien l'odeur de poisson. Ça me rappelle l'impression d'être vendredi. Pas le mec sur l'île, hein. Merci. Merci. Voilà, c'est fini. Je quitte Canal+, sans ticket resto, sans CDI, mais avec joie et conviction. En effet, grâce aux spécialistes de la chaîne cryptée, vous avez désormais toutes les clés, cher Winami, pour bien parier sur ce OM Monaco. C'est parier près de chez vous revient bientôt, dans votre ville ou votre canton, que ça vous plaise ou non. Big bisous.